Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la mer. Vous êtes prêts? Allons-y. Vous êtes bien assis sur votre chaise. Les deux pieds touchent le sol. Vous mettez les mains sur les cuisses, le dos le plus droit possible, et vous fermez les yeux. C'est important de fermer les yeux car vous allez rentrer dans un monde imaginaire. Ce qui va être important pendant toute cette durée de séance, c'est que vous allez vous concentrer sur votre respiration. Nous allons essayer de faire des respirations régulières, environ de 4 secondes à l'inspiration et de 4 secondes à l'expiration. Écoutez. Continuez, continuez à respirer de façon régulière. Et moi, je vous emmène au voyage. Aujourd'hui, je vous emmène à la mer. Peut-être êtes-vous allé régulièrement à la mer. Peut-être est-ce que vous vous souvenez d'un bel endroit où vous allez à la plage, où vous allez jouer, où vous allez nager. Je vous emmène. Il fait chaud. Est-ce que vous sentez le vent qui fait bouger vos cheveux? Est-ce que vous sentez aussi le vent sur votre visage? Quand vous arrivez, vous avez des tongs, des chaussures qui permettent de vous protéger de la chaleur du sable. Vous vous approchez, vous sentez un peu le sable dans vos doigts de pied qui viennent, qui vont et qui viennent. Ça vous gratte un petit peu. Vous continuez le chemin. Vous allez bientôt arriver. Si vous avez du mal à respirer régulièrement, alors essayez de faire un tout petit peu de bruit et peut-être que ça va vous aider. Mais n'oubliez pas que si vous êtes plusieurs, votre respiration peut-être gêner celle des autres. Vous voilà bientôt arrivé sur la plage. Il y a une serviette mise sur le sol pour ne pas que le sable vienne partout, dans votre maillot de bain, sur votre peau. Vous avez envie d'aller dans l'eau. Elle est là, elle est tout près. Écoutez-la en respirant. Peut-être que vous savez nager. Peut-être que vous ne savez pas. En tout cas, il faut faire bien attention. Et puis vous décidez d'y aller. Vous sentez la fraîcheur du sable mouillé sur votre pied gauche, puis votre pied droit, puis votre pied gauche. L'eau est tout près. Vous commencez à sentir le froid. Vous avez une réaction parce que l'eau est froide. Vous vous approchez et puis vous plongez la main droite dans l'eau pour récupérer un petit peu d'eau et vous mettre derrière la nuque pour commencer
à montrer à votre corps que vous allez aller dans une zone un petit peu fraîche. Et puis vous entrez dans l'eau. Elle est fraîche, mais elle est bonne. Vous descendez tout doucement. Vous avez de l'eau à mi-genou, et puis au genou, et puis vous descendez encore. Vous sentez que le sol, la plage descend un peu doucement, et vous descendez vers les cuisses. L'eau sur le ventre. Grrr. Et puis vous continuez doucement. Vous commencez à sentir de l'eau au niveau du nombril, et puis sur le ventre, et puis sur le torse. Et puis là, vous allez plonger dans l'eau, avec la tête. Vous êtes bien, vous nagez, vous sentez l'eau sur tout votre corps. C'est agréable, c'est bon. Puis vous restez un moment. Vous allez faire la planche. Vous allez vous mettre sur le dos. Et vous allez respirer comme ça. Et des petites vaguelettes vont vous faire bouger le corps. Mais vous ne vous sentez pas en danger. Il n'y a pas de grosses vagues sur cette plage. Vous vous êtes amusé un moment et c'est le temps de retourner un petit peu sur la plage parce qu'il commence à faire froid. Vous sentez quelques frissons un petit peu partout. Vous décidez de revenir, vous remettez debout, vous sentez le fond de la mer, le sable sur vos pieds. Et vous remontez un petit peu cette petite colline. Et plus vous remontez, plus vous sentez le soleil qui commence à venir vous chauffer. Vous avez un petit peu de l'eau qui vous dégouline sur le visage. Il peut même y avoir des petites gouttelettes d'eau qui rentrent dans vos yeux. Comme l'eau est salée, ça pique un peu. Vous revenez vers votre serviette. Et vous allez vous allonger. Le vent vous dessine. Vous arrivez à percevoir votre corps, la tête, les épaules, les bras, le ventre, le bassin, les jambes. Les pieds. Nous allons bientôt terminer ce petit voyage. Vous allez bientôt ouvrir les yeux et vous remettre à votre activité tout en douceur parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même. À bientôt pour un prochain voyage.